RMC 7h05, un cinquième samedi de mobilisation. Il est plus que jamais difficile de dire ce que ça donnera demain, mais il y aura bien une nouvelle journée d'action des Gilets jaunes. Beaucoup estiment que les mesures de pouvoir d'achat annoncées ne suffisent pas. Des rendez-vous sont fixés un peu partout en France, sur les différentes pages Facebook du mouvement. Et il n'y a pas qu'à Paris que des violences sont redoutées, évidemment. À Toulouse, la manifestation de samedi dernier a dégénéré avec des incidents entre forces de l'ordre et casseurs, des pillages de commerces. La ville ne veut surtout pas revivre le même scénario, Jean-Wilfred Forquès. Feux de barricades, magasins dévalisés, vitrines détruites et mobilier urbain saccagé. Le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc, ne veut pas revivre les mêmes scènes de chaos observées samedi dernier. C'est effectivement inacceptable du point de vue de la démocratie et puis du point de vue économique. On en a véritablement ras-le-bol, donc ça suffit. J'ai rencontré le président de la République lundi matin, je lui en ai parlé, le ministre de l'Intérieur, je lui en ai parlé. Donc nous avons demandé, j'ai demandé des renforts supplémentaires. Un hélicoptère dans les airs, deux véhicules blindés au sol et deux canons à eau compléteront un dispositif humain exceptionnel, entre 400 et 600 fonctionnaires de police. Luc Escoda est le responsable régional du syndicat Alliance. Les moyens, on en a besoin, que ce soit moyens de protection, moyens d'intervention, les effectifs, puisqu'en face de nous, nous avons des casseurs ultra déterminés, des enragés, et nos collègues font face à une violence qu'ils n'ont jamais vue jusqu'à présent dans les divers services d'ordre ou maintien de l'ordre qui sont eus par le passé, comme avec Sivens ou comme sur la loi travail. Samedi dernier, après le passage des casseurs, la facture pour la mairie de Toulouse s'est élevée à plus d'1 million d'euros.